Petani disait sur la mort de Pasqua. Il avait dit, on a perdu notre deuxième papa avec Isabel. Ah bah oui, ils t'ont appris à trucider et à voler. T'as chier, c'est une putain de souris, en fait. Ardinabout. Mon dieu. Mais enfermez-le. Enfermez-les tous. Pokémon. Mon dieu. Icarnère. Elle est comment ta drogue, Itachi? Raconte-nous. Bah, elle s'appelle Adèle. Raconte-nous, Benzo. Raconte-nous. Elle s'appelle Adèle. Mais qu'est-ce que tu as pondu, Fabien? Bah, c'est toi la maman Adèle? Non. C'est sa maman Fabienne. Fabienne, voilà. C'est mon Adèle. La maman Adèle. Ah, le casque de Megaman. Oh, c'était super classe. C'est quoi? Le casque de Megaman dans X3. Ah, je sais pas, parce que moi, là, tu viens de rentrer dans le pub où là, le monsieur qui parlait. Docteur Light. Bah, il est parti là, l'autre? Bio, hein. C'est bio, hein. Ah, il est beau, oui, il est beau. Oui, il est super classe. Il est beau, le lavabo. Il est beau. Ah non, non. Il est beau, le. Attends, ouais, tu fais du Tetris. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu ça. Tetris va être adopté en film, en trois films de science-fiction. Pardon. Ouais, je vous jure. On pourra avoir enfin du porno, vous savez, les blocs qui s'enculent là, qui rendent les adolescents. Après, je sais pas si vous avez vu Pixel aussi là. Oh, c'était de la merde, je n'allais pas le voir. Pixel, c'est un film en pixel. Non, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Il y a quelques répliques drôles, ouais, mais sinon c'est de la merde. Le film Doom. Non. C'est Doom dans tes shots et ça va rester dans les shots, oui. Tu dis de Doom, tu dis de Doom. Didi Doom. Adès il a bugué là dans sa tête. Ah non, j'ai mis Itachi. Oh. Ah, tu sais que tu imiter, c'est ça? Oui, vous voyez bien, c'est un méchant. Ah, Fabien, que Itachi c'est un drôle de perroquet. Ah, Adès, Vincent te parle. Pardon, excuse-moi. Non, j'en ai dit, moi je fais juste. Adèle. Tachi, c'est un drôle de dinosaure. Adèle. Bonjour, Adèle. Adèle, est-ce que tu es belle? Bonjour, Adèle. Adèle, est-ce que tu es belle? Et c'est Zakoni, ça, Tachi. Ouais. Tu connais bien tes réflexes. Oui. T'es classique. Ah, Fabien, que Tachi, c'est un drôle de spécimen. Ouais. Il confirme en plus. Il dit ouais en plus, bâtard. Ah oui, mais moi le 7 marche plus. Bon, bah on fait 5, hein. C'est plus de 7. Ouais. Mouais. C'est quoi ce mouais? Mouais. C'est ouais tout court. Wagadougou. Pourquoi t'es plus clat? Ah, moi, pourquoi t'es plus clat, moi? Attends. Putain, mais en fait, à mon boulot, il y a une nouvelle. Putain, je m'y attendais pas du tout à entendre un tel nom comme ça. Une nouvelle collègue. Miss Love? Non. Ah. Si je te dis Fatoumata la Trouille. Quoi? Hein? Fatoumata la Trouille. Wow. Ah ouais, c'est la grande classe. Je peux dire qu'à chaque fois quand je l'appelle, j'écorche le nom. Fatou, je dis. Oui, c'est ça, plus ça. Fatou Mata, il a tapé. Mais bon, dis-toi que dans 2 jours, t'es en vacances. Ouais. Donc, on parle dimanche parce que dimanche, c'est le week-end. Ouais, mais je vais devoir supporter ça pour les vacances. Oui, mais c'est après les vacances. Là, c'est vacances d'abord. Ah, bah ouais. D'abord on porte vacances. Oui, voilà. Pense pour toi. Ouais. Ah ouais, puis je pense à ma gueule. C'est comme Delay, le copain, il est en vacances pendant 3 semaines là, à partir d'aujourd'hui. Bon,
Normalement, il aurait dû être en vacances après le voyage au Japon parce que. Mais son patron a dit. Il voulait aller voir. Après le Japon, il voulait aller voir sa famille en Espagne qu'il n'a pas vu depuis 3 ans. Mais son patron lui a dit il lui dit, au fait, on a besoin de toi, tu peux rester. Bon, bah d'accord. Donc il est en vacances cette semaine. Et du coup, bah, sa mère lui a à peu près la tête, mais il peut pas aller voir sa famille encore au Japon. Ouais. En Espagne, je veux dire. Au Japon, oui. Donc voilà. Sa famille au Japon, oui. Mais voilà, mais lui aussi, pareil que toi, le boulot, ça le gave. Bon, pour lui, ouais, c'est pas content. Quand on dit je pense que les plus belles années qu'on passe, c'est à l'école, je pense pas que c'est pour rien. Non, moi, c'est juste les plus belles années de notre vie où on parle, c'est dans le ventre de notre mère. Bah quoi, on n'a rien. C'était un peu facile, ça. Ah oui. Bon allez, on va voir les totons contre les mangeurs de pizza. Ah mais attendez, celui qui va gagner. Je les emmène les pinceaux. Celui qui va gagner, ce sera peut-être notre adversaire. Hein. Ah ouais, oh yeah. C'est beau. C'est bon. Regarde. Et t'assis, ça mêle les pinceaux. Oui, et pourtant, j'ai bu que de l'eau. Hein. Mais tu veux plus t'en dire. T'as surtout de l'eau. Hein? J'ai rien compris. C'est normal? Non, c'est rien, t'inquiète. C'est ta connerie. Ah, bon, alors c'est normal, là. Mais alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens dans les montres, t'as de la visiter, c'est ça? Oui, parce qu'il faut péter certains trucs, faut se repérer un peu via la map. Parce que faut parfois revenir 4-5 fois dans les mondes, hein, si tu veux tout récupérer. Ah ouais, quand même. Ouais, et tu vas faire ça, Adès? Tu vas le tenir à 100%? Ouais, je suis pas bien obligé. Hein. Allez, l'Allemagne, gagnez pour la GP pour mettre. C'est chiant, mais bien comme Adès qui est motivé. Là. Ouais, ouais. Et c'est normal, c'est très, très motivé. D'où tu mets le genou et t'es allemand, Kevin? Comme Adès alors, tu vas faire fureur. C'est pire en pire ce mec. Ouais. Mais tuez-le. Moi je me rappelle juste une chose, on m'a dit que le Vince allait parler en ch'ti. Bah c'est déjà fait hein. Ah même le Wayne ici mais, même le Wayne. Par contre il parle comme de la merde hein le Wayne. Oh. Est-ce qu'il me loot? Je t'aime. Oui. Je te veux tu Hein? On dit pas oui, on dit oui monsieur. Oui madame. Oui monsieur Hadès. Oui mademoiselle Hadès. Ta gueule toi. Quand je parle au boucher, je demande pas ce que soit le cochon de la vitrine qui me réponde, ça va? Italia. Il faut pas que l'Italie soit en demi-finale, sinon Pioche il va pas arrêter de m'en parler dans l'avion. Tâchez d'être pire en pire lui. Il est infect. Il est infect. C'est franco-allemand, je savais pas. Bah, tu dois manger des bonnes saucisses alors. Ouais. Oh, il y a Lupi. Vince qui pète un câble. Oui. J'en ai marre. Oui, bah attends, entre un qui pète un câble, un qui dit de la merde et les deux autres qui sont calmes. Adès est content, ouais. Il a son quota, hein. On dit un allemand dans le chat. Ah non, excuse-moi, Wen. Y'a que toi, tu perds pas la tête. En fait, nous, Vince, Adès et moi, on est fous. Toi, t'es sain d'esprit. Toi, t'es sain d'esprit, j'aime bien. On l'est pas sain d'esprit, nous, peut-être. Non, toi, t'es pas sain d'esprit. Mais ta gueule, moi, toi. T'aimes pas les saucisses de François? Ah bon? Moi, j'aime bien les grosses saucisses. Hop. Putain, quoi? N'oublie pas, t'es sur le pic dans la merguez. Putain, j'entends des trucs, moi. Moi aussi. Et après, c'est à nous que tu dis que t'es pas sain d'esprit. Bah oui. C'est sorti tout seul, bordel. C'est quelle saucisse que tu aimes alors, général? Ça a bon goût, moi. Oh, bordel. C'est... Je pose juste une question. Hein. Je pense que c'est une saucisse de porc. Oh merde. Les saucisses de dinde, c'est pas mauvais, mais bon. Dégueux. Ah bah ça me regarde pas hein. Mais sinon les saucisses d'hommes, pourquoi pas? Oh,
Bah, tu peux toujours goûter. Kevin n'aime hein, pas les saucisses, ça c'est un vrai. Bah oui, mais bon, Adès il veut pas. Aïe. Il faut l'enchaîner, je sais pas. Ah bah oui, mais bon, tu m'offres le voyage en Belgique. Et Wen, il prête les scènes. Bah ouais, attends, Adès il peut te le payer avec son YouTube Money. Mais non, il peut pas. Parce qu'en fait, il a tout planté en Suisse. Ah bah alors, bah, t'as qu'à aller le chercher. Mais non, parce que c'est Fabien qui déclare l'aide du coffre et il veut que je m'habille en soubrette. Hein? Quoi qu'il dit? De la merde. Qu'est-ce que tu dis? Un délire dans ma tête. Tu fais un délire dans ma tête. Ah mais des fois, faut pas chercher à comprendre mes délires. Hein. J'avoue. Ouais, c'est... Toi, ton frère aime pas les saucisses? Fabien? Je te dis, Miloute. Hein? Hein? Ah, ok, Fabien. Bah, on entend des belles choses ici. Hein. Cochon. Cochon poilu. Oh, putain, je... La saucisse poilu aussi, non? Oui, mais ça, non. La merguez poilu. Ah, bah, pas voir. Ça, c'est algérien. Après, c'est portugais. Pourquoi c'était portugais, surtout? Ah, mais ils ont pas sous les ailes. Sous les aisselles, oui. Oui, bah, sous les ailes, comme leurs avions. Ouais, mais bon, moi, je suis déchaîné, je suis en forme ce soir. Ouais, ouais. T'as surtout pété un peu. Benzo, ça ne va plus. Ça ne va plus. Ah bah ça va plus, mais que veux-tu? On m'a pas donné ma nourriture. On m'a pas donné ma drogue. Vu comment tu parles, on dirait que t'en as prise. Ah, mais voilà. on a cassé mes comprimés. Mon dieu. On a cassé mes comprimés. Ouais, on les a mis quelque part. Dans ton rectum. Ah bah ça, je te l'ai deviné. Oh. Ah, on est folle. Tu es folle. On est folle tordue. Oh oui, on est folle comme l'aura. Fuck. Fabien, qu'est-ce que t'as conçu? Il a conçu un esprit tordu. Ah ben, je vois ça. Lol. 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 Ah, mon frère a pas pris de là et m'en... Ah bon? Bah, oh. Après, ça... Ah ouais. Il viendra peut-être à... Il va peut-être planter après, Fabien. Il est fatigué, le Binch. Ah oui, il a une mine de silence avant le match, parce qu'il a tenu l'attentat au Bangladesh, où il y a des Italiens qui sont morts. De toute façon, les connards, un jour, faudra tous les exterminer. Voilà. Et ça, hein, quand les gens arrêteront d'assimiler extrémistes et musulmans, c'est pas pour demain, malheureusement. Oui, bah, de toute façon, quand on fera la connerie humaine... Tu sais que Marine Le Pen, ça va pas arranger les peaux. Non, elle vient de la région du Nord, hein. S'il vous plaît, la garde là-bas. Ah là 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 là, je vous jure, Megaman. Bah quoi, c'est des bons jeux, Megaman. C'est des excellents jeux. Ah, mais j'ai pas le test, hein. D'où tu oses dire des mots dessus? D'où tu oses dire des mots dessus? Vas-y. Il faudra... Il faudra le demander aussi à... Elle m'a dit qu'on... Il faudra le demander à Fabien aussi des jeux qu'il a bien aimé, qu'il vous a testé. Y'a Make of Duty. Non, Fabien, c'est pas ça, il aime pas... C'est pas un bon... Non, mais Fabien, il aime des beaux jeux aussi. C'est un peu pour... De quoi la tête est encore. Ah oui, non, mais je suis très gentil, tu me connais, Adès. Fabien, pardon. Putain. Il a appelé Adès. Ah d'accord. Et j'ai découvert un truc aussi grâce à l'émulation. On peut enlever l'anti-aliasing. Oui. Non, tu t'as. C'est quoi, c'est? Je savais pas du tout, ça. J'ai découvert ça à l'instant. C'est même pas ce que c'est. C'est les effets d'escalier, si tu veux, au loin. Quand tu vois la texture des escaliers, tout ça, c'est un petit peu baveux. Bah, c'est les retirer, en fait. Ah, ok. Ouais, ça permet une meilleure distance, quoi. C'est plus joli, c'est ça, non? Ah oui, oui. Ah oui, c'est plus net. D'accord.
Putain, si je vous fais un partage de jeu là en ce moment, c'est limite on a l'impression que le jeu c'est presque un remake quoi. Là j'ai mis tout à fond en fait. Mon dieu, ah ouais. J'ai mis l'anti-aliasing à fond, bon ça rame pas, hein. Heureusement, sinon je me pose des questions. Et quand t'es revenu dans les mondes, tu dois rebuter les bots la dèche ou c'est des bots différents? Lui t'es un peu optionnel. Ah ok. Et t'es mort combien de fois depuis mon implant? Zéro. Oh merde. C'est quoi cette arnaque? Il joue très très bien. C'est quoi cette arnaque? Dans mon contrat, on m'avait promis une mort au moins. Bon, aïe. Juste au moment où tu en parles. Tyson. Tyson and Dine. Nine. Mais Dine, c'est des jeux très techniques, mon dernier. Oui, oui. C'est quoi? C'est pas que Fabien il en avait fait un en live à toi, Adek, justement. Il avait essayé X2 une fois. Ouais, je sais pas si. Je sais plus si j'en avais porté. Avec Angelo aussi, on était à 3. Je sais plus si c'était là. Il avait eu vraiment du mal, quoi. Oui, bah c'était difficile, mais je sais plus s'il en avait porté le Fabien. Ouais, très bien. Putain, pardon, il est parti tout seul. Ça vient du cœur. Parce que je crois que tu l'avais fait à Megaman en live, je crois, je sais plus, Fabien, tu le corrigeras, hein. DLC Castlevania 3, on l'avait. Il était content, hein, c'est Fabien. Oui, oui, il avait même. Et il est surtout devant le niveau de l'horloge, là. Où on doit aller tous les dangereux là. Tower. Niveau bien difficile, d'ailleurs. Oh, très bon niveau, hein. Clock Towers. Ouais, mais difficile. C'est avec une musique légendaire. Avec le jeu. Ouais, et pour la NES à l'époque, waouh. Oh, ouais, tous les engrenages, là. Ça laguait même pas, quoi. Non, non, et. Ça peut en faire des bons jeux. Oh, ah, oui. Bon, je vais vous laisser, mais... Bah, bon app. Ok, Wayne. Donc, je reviens, je sais pas trop quand je reviens. Ah oui, la Port-Boyard, t'as quoi. En fin de soirée. Ouais, bah, moi, je serais déjà parti parce que je rejoins ma puce vers 22h, quelque chose comme ça, à peu près. D'accord. Ouais. Et en tout cas, bonsoir à toi, Wayne, et à la prochaine. Hein. Merci, toi aussi, Vince, et Ouais, merci. Vous allez laisser seul, avec toi. J'aurais fini Mega Man X3 avant, après. Tu sais. Je pense que je vous reverrai après, Hades et... Oui, bon, moi je serai toujours là, normalement. Oui, pas de soucis. Donc voilà. Allez, salut. Donc, je dis à plus à... Aïe, dans le chat. Bonne soirée à toi, Wen. Profite bien. Merci à vous aussi, bonne soirée. Merci. Oui. Au revoir. Ouais. Ah là là, je vous jure. C'est folle. Vous êtes des folles tordues. Il nous a quittés, non. Ah, Wen, on pense bien. Ah, ouais, c'est moi, c'est pas grave. Reviens parmi les tiens. Jésus revient, c'est Wen, reviens parmi les tiens. Ah, ouais, T'es grave, quand même. On me dit qu'il faut faire rire. Faut faire sourire tout le monde. Bah, j'ai fait sourire tout le monde. Et la lumière tue. Je suis le dieu lumière. La beauté incarnée dans ta gueule. Le silence que ça a installé. Je suis. J'aime bien. Je suis le dieu. T'es rien du tout, Teg. Applaudissez-moi. Applaudissez votre dieu. Huez-le. Ah non, il regarde dans le chat, il me hue pas dans le chat. Et Vince. Ils font... Et j'allais là. Oh, j'allais appeler Vince Wen. Et Vince, il m'applaudit. Il m'applaudit, moi. Non, mais toi on n'a pas à t'applaudir, toi. Si. Non. Toi, tu es du Megaman frité. Bah, fais un Megaman, toi. J'en ferai un. Hein. Finis-le en 10 minutes sans mourir. Hein? Voilà. D'abord, tu termines un Kabuki pour y arriver. Voilà, pas de problème. Voilà. Là, tu finis Kabuki sans mourir, toi. Bah, oui. On sait le faire. Ouais, bah, c'est pour ça que t'es mort. Avec un action replay. Ah là, je vous jure, méchant, entouré de folles. Mais c'est toi la grosse folle. Oui, je pensais aussi. Bon, que voulez-vous? Italia, Italia. On va recombattre lui, il est chiant. Alors, soit ça va aller, soit ça va pas du tout aller. Énorme. Énorme effet. Ça promet une belle vidéo. Non, c'est le disco.
Allez, disco party. Non, je suis au boss. Putain, il était tellement classe au boss. On est folle. Mais on est folle, mais on est folle. Et là, Desbourg, ça c'est beau aussi, attention à Desbourg. Bah vu le retard peut-être. Ah oui peut-être. Mais pas beaucoup de retard sur Twitch là. Ça dépend des jours. Ah c'est quand ils ont envie. Oh ma merde. Ah bah mais deux. En tout cas tu débrouilles très très bien sur les gars. Merci. Ouais, pour une fois tu débrouilles bien quelque part. En plus j'avais une mauvais souvenir de ce boss là. Espèce de sphinx truc là. Bon, par contre, je me débrouille bien ici, mais bon, ça va être quoi à la fin? Bah, tu vas mourir, on va rappeler, nous. Je pense que je vais mourir plusieurs fois, oui. C'est un enculé, le boss de fin. Ah, c'est normal. Là, j'ai pas peur de dire. Il faudrait plus tendance à dire un très gros enculé, mais... Ah ouais, j'avoue. Et ils ont tellement abusé pour le dernier boss. Tu te dis, ouais, bah, écoute, c'est le dernier en 2D sur Super NES, hein. Bah, écoute, on va mettre un gros boss, hein. Ah, tu fais bien le ch'ti pour un belge. N'est-ce pas, hein? C'est bien, hein? C'est bien, hein? Bon, c'est que moi, tu vois, il a une grosse tête. Et en plus, tu fais pompon. N'est-ce pas? Hein? C'est pas comme chaud qu'il faut faire. C'est pas comme chaud. C'est comment, Biloute? Ah, je vais te le dire, mais. Alors, bientôt, là, on va croiser Sigma, là. Hein? Lui, il a une grosse tête. Et puis, il va falloir désinguer à mort, quoi, hein? Et il est pour facile, là, ce boss. Alors, regardez ce qu'il va en chier, quoi, hein? Et donc, il va falloir défoncer ce gueule, ce gamelle même si tu veux, mais bon, ça va être chaud, hein. Parce que, bah, parce que Hades, c'est Hades, voilà quoi, c'est un belge, alors faut pas oublier que les belges, de temps en temps, ça va changer de lutte, mais après, ça va plus, hein. Ah, merci. Je t'en prie, de rien, Biloute, hein. Oh, ça, mon Dieu. Même sans le bilan, je le troll quand même, quoi. Ah, mais c'est génial. J'aime bien qu'on me troll ainsi. Ah, si t'aimes bien si ça te fait mouiller et pendre des juteux à la fois. Ah, merci. Hein? 3 heures après. Ça va être caché. Ouais. Tes hormones vont bien. Mais quoi? J'ai pas entendu en fait. Ses hormones. Pourquoi mes hormones n'iraient pas bien? Tu parles à qui là? Et pourquoi tu parles de mes hormones? Mais pourquoi tu parles de mes hormones? Bon, si ça va bien. Mais pourquoi? Ça va être Cassie? Oui? Non, mais quand j'ai rien. Ça va être Cassie, hein? Alors, Pikachu, tu l'as adopté ou pas? Fabien, je peux te tuer. Pourquoi tu parles de Fabien d'un coup? Tu veux partager le coup à Vince? Ça se fait pas. Hein? Hein? on doit protéger Vince. C'est un Nordique, c'est rare les Nordiques. Ah, comment il voit Cassie? Bah, il va bien. Il va bien ce Chobilut. Ah, t'as adopté un animal? Oui, j'ai adopté le Hades. Ah, moi je pensais que c'était Pikachu. Non, ça, je vais en voir à Japan Expo vendredi. Tu vas les cramer. Tu le revois combien? Et non. Et mais l'année dernière, j'ai vu ça, je m'en rappellerai toujours. Un Pikachu au bout d'une pitch. La tête d'une. Oh bah, t'as rien dit, Fabien. C'est juste pour une fois que tu peux te troller. Hein. Bah oui, Fabien. C'est pas méchant. Ouais, ouais profite bien hein, pour une fois. Tu le dis même dans tes lèvres que c'est pas méchant. Alors bon, on peut faire ici. Attendez, je reviens. Non, mais je reviens. Non, mais il m'imite là. Je crois qu'il m'imite. Oui. M'empêche la mure d'or de Pinsco. Ouais, je le reviens dans 5 secondes. Il n'y voit que les pointes. Le monde attend. Putain, c'est chiant 4, d'attendre. 5. C'est pas sérieux, Itachi. Ouais, c'était mieux avant. Ouais. Vendu. Remboursé. C'est quoi ça? C'est Itachi, ça? Ah oui. J'ai entendu de loin, là. Tu vas faire. Oh mon Dieu, il va te tuer, Fabien. Il va te tuer.
fou, putain, mon avis, on lui a vu en fait. C'est quelque Fab chose. Fab Merde. Pompon tutu. Là, t'as la chance, t'as le droit à une autorisation ce soir, mais c'est tout. Pompon tutu. T'as une autorisation ce soir. Ouais, et pour une seule. Pour... Oui. Non, mais en fait, c'était. J'avais dit, j'avais râlé parce que j'avais vu. Non, parce que j'avais vu une convocation pour mon club de mon bénévolat, une convocation, une réunion qui était un peu tardive. J'ai dit, oh, c'est vrai, non. Et Fabien et cet animal d'Hadès m'ont pris, et c'est vrai qu'à un moment, ils l'ont trop dit. Et bon, Fabien, si ça peut t'amuser ce soir, moi je sais pas si va. Ils l'ont trop dit. Et ça m'a saoulé parce que c'était ça que j'aime bien et qu'il me trollait. Tombe troll sur ça, sur moi, je m'en moque, mais tombe troll quelqu'un à côté de moi, ça j'aime pas trop. Mais bon, le Fabien a compris, mais bon, là, si je pas, il a besoin de troller pour ça, il a besoin de se détendre, je m'en moque un peu. Si ça peut détendre Fabien, c'est le principal. Moi je dis c'est gris président, ok. Moi voilà, si Fabien peut le détendre, moi je suis le principal. Oui, bon, c'est le principal. En plus, c'est pas méchant. Ah, voilà. Non, mais là c'est pas méchant, et puis ça fait longtemps qu'il l'a pas dit. Je ne jamais être méchant avec toi pour un troll, tu sais. Non, et puis ça faisait. C'est vrai qu'il. Non, il blague, Fabien, il blague, c'est très bien, et surtout. Ah oui. C'est le premier à me dire, écoute, si ça va trop loin, tu me le dis. Ah. Le principe, c'est que tu ris avec nous. Voilà. Non, mais Fabien, je sais que tu blagues, continue. Oh. Oh, il espèce de. Espèce de putaclou. Alors là, dis-nous, bon, dis-nous, Pikachu. Dis-nous, j'aime Pikachu. Hein? J'adore. Hein? Dis-nous, j'aime Pikachu. Alors attends une seconde, il faut que je regarde cette chose. Attention, j'augmente le son de Skype. La seconde est déjà expirée. Oui, au bout. Attendez. C'est où c'était? C'est où c'était? Attends qu'il met la capote en fait. Dieu des tortues. Mais Fabien il veut me tuer un petit jour. Ah non, c'est comment pas... j'ai sorti ça moi. Putain. Ah là, j'ai bien. Attendez, il faut tant qu'il met la capote. Oh putain. En fait on attend toujours. Oui bah. Oui. Et attendez 30 secondes encore. Une. Ça fait deux. Deux. Trois. Ah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vendu! Attendez! Ah non, on n'attend plus non. Eh oh, c'est passé hein. Je suis pas d'accord, Itachi. Benzu, je suis pas d'accord. Attendez. Il lui fait exprès. Ah. Hop là. Une, deux, trois. Et vous écoutez à partir de la septante, je l'ai envoyé. Ah bah écoute, faut que tu aies hein. Bah. 1 minute 31, c'est ça? Ouais. Attention, je vais écouter ça. C'est ta mère, c'est mon Pokémon préféré. Voilà. 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 Ouais, mais moi je vais entendre Pikachu et ton Pokémon préféré. Ah bah ça, vous l'entendrez quand j'aurai 200 abonnés. Non mais moi y a pas besoin que tu le fasses, je peux trafiquer. Oh mais non, ça tombe pas là. Ah si? Ah non. Et là je pourrais envoyer cette musique là. Bon alors, est-ce que dans le chat vous voulez que le deal te va demander Vincent? Pour ça je possède la Fabien dans le chat, pour ça je possède tes Allez vas-y, fais-le, je t'encourage. Uniquement que si Fabien ou Kevin répondent. Alors que Fabien il va dire bah oui fais-le, je le connais hein. Comme ça, on t'embêtera plus avec ça. Vas-y, fais-le. Alors, j'attends la réponse de Fabien et d'Adèche. Ils vont dire oui, que tu veux. Ah, je sais pas, Fabien. Adèche ? Oui. Bah, il a pas dit oui, hein. Il a pas dit... J'attends la réponse de Fabien et d'Adèche. Non, mais. Moi, je dis qu'il va le faire. Je l'encourage. Ouais. Ça dépend. Ça dépend.
À toi, Fabien, il veut pas répondre, à Dèche non plus. Hein, si tu le fais pas, voilà ce qui va t'arriver. Non. Oh putain. Donc Fabien ne répond pas, donc ta verte, elle ne doit pas le faire. Voilà, c'est terminé. Messi va le faire. Messi. Faut pas oublier qu'il y a Lionel Messi. Ouais. Fabien, on veut une réponse. Au bout de 15 minutes, blessure de l'Allemand et je suis dégoûté. Bah, c'est les Allemands, ils ont commencé à être croûte, hein. Faut les gazer. La famille il va pas répondre donc j'ai pas le rapace. Oh. Vous ne passerez pas. Tant que c'est pas comme j'ai vous ne passerez pas. Allez Hadès, on y croit. Ouais. C'est pas évident que ça quand même. En plus quoi. Enfin lui je le crains pas. C'est un autre. Et je vais envoyer un petit truc en pensant à Hadès. Bien joué. Merci. Bien joué. Ça fatigue, presque 2 heures là, c'est. Tu m'étonnes. 2 heures déjà, putain. Ouais, ça. Ah, c'était le boss final là ? Non, non, non. Ah non, 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 non. Ah, c'est vrai. C'est ça qu'on a encore un ce boss. Loin. Seulement si je peux faire une blague sur Cédric. Ah bah non. Soit je dis la phrase que Vincent veut dire, soit tu fais ta blague. Alors, je sais pas s'il a entendu Fab. En fait, Fab, ce que l'on propose, c'est qu'il va dire une bonne fois pour toutes, Itachi, qu'il aime vraiment Pikachu, tout simplement. Est-ce que toi, tu es d'accord pour qu'il le dise au travers de ce live ou pas? Là, on va vraiment pour l'entendre pour de bon. Oui. Moi, je l'encourage. Hadès aussi, apparemment. Moi aussi. Hadès, Quoi, qu'est-ce que t'as à dire, ça? Mais c'est des intimidateurs, mais les miens, je m'aurais utilisé. Alors ça dépend, ça, hein. C'est toi qui descends la clé du mystère. Capita! Oh, Jess, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, je sais. Il a fait de la merde, en tout cas, merde. T'es tombé dans le tarot? T'es tombé dans le tarot? Ça y est, bien au moins une fois. À chaque fois que je suis mort, je sais pas, je suis dans tout. En même temps, c'est assez traître, là, c'est le saut de l'ange aussi, ouais, parce que plus. J'aime pas dans les plateformes. Pour ma part, ça, les sauts de l'ange n'ont rien à faire dans un Mega Man. Ah, putain, je suis retombé. Eh, vous voulez rire? Est-ce que vous voulez rire? Oui. Je tape Picamer à la barre de recherche de YouTube et vous savez quel est le premier recherche qui arrive? Ta vidéo. Ma vidéo, tu l'as vu, moi. Un Picamer, c'est impossible. Putain, t'as failli tomber là. Ouh. Non, j'ai dit Picamer, ouais, c'est impossible. C'est chaud, en plus, les amis qui t'attendent là, c'est. C'est dégueulasse. J'adore la classe de Megaman quand il s'est propulsé vers le haut, putain. Ouais, c'est épique. Ouais, Fabien, il veut pas, il veut pas. Une pointe. Donc Fabien a raison, il veut pas, il veut pas, donc voilà. Tant pis, Fab. Tant pis. Aluminium. Pour le moment, il y a 0-0, c'est les totons et les Rital. Ah là là, je vous le jure. Pourtant, pourquoi tu as des cerveaux mécaniques, toi? Parce que. Parce que quoi? Parce que. Parce que Megaman. C'est venu à la réponse, parce que Megaman. Bien sûr, hein. Bah viens. J'adore Picamerde. Oh, Pikachu. Bah non, Pikachu, je peux vous dire que j'adore Picamerde parce que Fabien n'a pas dit si vous voulez le dire, donc tant pis. Plaignez-vous à Fabien. Mais je vais pas laisser Vince prendre. Parce que le payer, il est trop cher. Ouais, mais c'est quand même de la triche, parce que là, on est 2 contre 3. Voilà. Oui, mais bon, Fabien a un triple bon. Vote. Voilà. Fabien a un triple vote. C'est l'immunité des Auvergnats. Oh, favoritisme. Bah quoi, pour une fois qu'il y a du favoritisme pour Fabien, hein. Favoritisme, c'est pas bien. Pour une fois que Fabien a du favoritisme, c'est tellement rare, le pauvre, d'habitude, il fait passer tout le monde avant lui, donc il demande aucun pas le droit, donc non, pour une fois, on lui demande, on lui donne. Il a le passe-pas, lui.
Pour une fois, il a le droit à cet honneur là, Fabien, je peux le dire. Voilà, Fabien, il a le droit à avoir un petit peu d'honneur parce que c'est quelqu'un d'adorable. Un petit peu d'honneur. Fabien, il a le droit d'un petit peu d'honneur. Tu fais exprès pour pas qu'il le dise. Bon, en partie, oui, mais. Ah bah voilà, ah bah voilà. Non, mais à 99,99%, oui. C'est le point, je peux pas mettre le cœur. C'est très précis. Bah oui. Et le 0,01% qui reste. Ah bah c'est pour le sucer là, oui. Ah, c'est de la sucette. Oh là là, ah, il faut reconnaître, hein. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ah, Cédric, c'est qu'un Cédric. Ouais, t'as envie de mourir, bifle toi. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Après, je vois bien, tu lui mets n'importe quoi sous le nez, il va toujours penser à Benzo. Oui, mais c'est ça qui fait chanter à ma Fabien. D'accord. Non, mais des fois, je me lève, des fois, je vois qu'il invente des conneries. Je les regarde pas, mais je sais très bien que c'est marrant. Et je sais pas. C'est une des premières personnes qui fait ça pour moi. T'as pas esquivé ses coups à lui, faut vraiment bien anticiper. C'est sûr, il est dur, putain. Et allez, bien sur un truc. Il ira plus trop. Forcément, il a plus de méca, mais il reste à lui, forcément. Oh putain, je rate mes coups. Non, mais lol. Non, mais lui, il est vraiment chiant. Vile, lui, enfin, l'espèce de Vile, lui, elle est assez chaud quand même. Ouais, Vile, le version supérieure, c'est ouf. De toute les balles dans Megaman, ils sont tous assez chauds, non? Megaman X, ça peut encore aller, mais. C'est plus facile des Megaman. Mais c'est rien comparé à ce qu'il y a un temps plus tard. En même temps, c'est la difficulté que tu peux te rendre compte quand même que dans X2 et X3, que le gameplay est vraiment bien abouti. Je vais mourir. Tu vas mourir, tu vas mourir. Oui, bah je suis mort. Bah oui, mais nous on l'a pas vu de ta mort encore. Oh putain, il t'a pris par les couilles déjà. Ah oui, ah ça fait mal. Il a pas hésité à ce bâtard. Bah c'est normal, c'est ton ennemi. Pas loin d'être mort en plus. Oh là là, il restait plus qu'un coup là. Ouais. C'est toujours ça qui est chaud, quoi. C'est bien joué, quand même. Merci. C'est pour ça que les Mega Man, c'est des bons jeux, comme je le dis, parce que c'est des jeux où il faut reconnaître le pattern. Allez, c'est reparti. Forcément, nouveau avec son mec. Donc, deux phases. Génial. Putain, mais je sais pas pourquoi j'ai envie d'éditer des niveaux de Mega Man de taré pour Hades. Parce que tu veux ça voir peut faire office de vidéo des féminines de rien, le truc, le Mega Man sur PSP. Ouais, mais tu connais le Vince, il va te faire des défis complètement de malade, quoi. Tout ça, simplement te troller à mort dans Je te connais moment. Tellement pas, l'ami. Ouais. Ah, ouais. Adèle, il connaît personne, c'est pour ça qu'il est trop naïf. Un niveau avec des points de partout. C'est surtout que ça, cette forme-là où il fait assez mal. C'est toujours frustrant, par contre, c'est que lorsque t'es en dehors d'écran, ça ne cause aucun dégât. Ça m'énerve, ça. C'est ça, c'est chiant. Pour recharger ton tir et l'envoyer au loin, mais... Mémoire pour pouvoir, moi, je pense que c'est pour la difficulté du jeu. Disons que dans certains Megaman sur NES, ça pouvait capter la... l'ennemi qui était à l'extérieur. Ouais, je pense que c'est pour la difficulté. Oula. Mais c'est vrai qu'il fait mal, ce boss. Ouais, c'est un des derniers, hein, c'est pour ça que... C'est un optionnel ou un obligatoire? Non, c'est obligatoire, oui. Ah, dommage pour toi. Enfin, voilà, t'as quand même battu le boss optionnel sur Crazy Store, hein. T'as un qui est rapide quand même, Vile. Ouais. Ouais, il avait combien de millions de PV sur Crazy Score, là? En plus, même, je crois. Non, mais combien, je veux dire? GG, beaucoup. Il avait pas 2 millions de PV, le... Minerve là sur. Tu es en 60 pas, je crois. Ouais. Il, avait... Non, il avait 2 millions de PD. Ou pardon. Ouais, c'était hardcore quoi. Et tu l'as étonné pour deux fois, je crois, pour le battre deux, trois fois. Ouais, il m'a tué. Elle m'a tué deux fois. Ouais. Il explose, il explose. Ça avait duré longtemps le combat, mine de rien en plus. Ouais. Il explose. Mais c'est hyper chaud comme combat, c'est vraiment hyper chaud. Ouais. Mais c'est ça, c'est. Et pour y arriver, hein, faire les 300 missions annexes, là, c'était... Parce que pas les dernières missions, mais tu... C'est hardcore. T'es obligé d'user des crafts, tout ça, pour passer la barre des 9999 PV. Hein, c'est...
Je sais pas si Fabien il a testé le poste lunaire. Non, faut déjà qu'il finisse les missions annexes et là c'est. Faut déjà franchement le faire. Allez, nouveau tour. Allez, la salle des boss. Ouais. C'est une religion dans Mega Man, ça. Ouais, mais j'ai toujours aimé ces salles-là. J'ai toujours aimé les salles oui, comme ça, moi. Tu réutilises les armes pour le coup et les points faibles. Ouais, j'ai. C'est vraiment sympa. Heureusement qu'il te recharge quand même mon énergie parce que putain, tu m'as vu. Ouais. Surtout les boss de celui-ci, c'est. Je suis bien content. Ah, mais c'est vrai que c'est toujours été un petit plus sympa dans ces jeux-là, Megaman, où tu devais. Avant d'aller vers les boss finaux, il faut les affronter les boss précédents. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu ressens vraiment un duel en fait quand t'affrontes les boss. Ouais. Oui. Ouais. C'est ça que j'adore. Tu sens vraiment qu'ils reviennent pour essayer de te buter une nouvelle fois, quoi. C'est. Kamehameha. D'ailleurs, ils sont reconstruits vite du coup. Quand tu les fais exploser, on les reconstruit, ils sont assez rapides, hein. Ouais, ouais. Moi, surtout, ce qui m'avait impressionné dans Mega Man 3, c'est qu'ils t'ont fait revenir ceux du 2. Ah bon? Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils étaient horribles avec leur méca? Oh là 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 là. Putain. Ah, c'est autre chose que le 2. Hein. Oh, totalement. Bah, moi, le 2, j'étais pas là, j'étais en train de picoler. C'est très intéressant, Tachi. Oui? Rien. Allez, l'abeille avec une pointe. Ils ont été quand même sympas de leur donner ça. Oh, que je te. Ok, oui, je te le fais pas dire. Allez, l'abeille. C'est vraiment des boss et plus casse-couilles d'ailleurs du jeu. T'inquiète pas, je connais très très bien. Oh oui. Je sais pas si tu les avais fait en vidéo, les autres Megaman, à part le X. Non, j'ai jamais eu le temps de l'attaquer. Bah, tu me diras, j'ai jamais eu le courage non plus. Je te fais pas dire. C'est genre pour parce qu'on est en live et qu'on a le temps, mais bon, voilà. Plus de temps de m'attarder sur des jeux comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et depuis le temps que j'ai pu jouer aussi, j'ai perdu la main. Parce que bon, encore Megaman X, ça va, ça reste vachement accessible, mais là. Ah ouais. Par contre, sur ce, je vais devoir vous laisser. Moi, je vais rejoindre ma puce. Ok, pas de soucis. Profite bien de ta soirée. Bonne soirée. Ouais, bah bonne soirée à vous également. Bonsoir le chat. Et puis à la prochaine, tout le monde. À la prochaine. À la prochaine, bisous. En tout cas, bah, je verrai si je peux être là la semaine prochaine. Parce que bah, vu que je vais être en vacances, je vais vraiment bien m'attarder sur le bilan. Mm-hmm. Et puis bah, après, bah, je vous en tiendrai informé vis-à-vis de phase de boucle pour voir l'éventuelle progression de vidéo, tout simplement. Ok, d'accord. Et pour faire des bonnes soirées, les gens. À toi, bonne soirée. Allez, salut, bisous. Salut. Bisous à l'INC ouais. Aussi. Bisous, ouais. Bisous. Mais du coup, on est tous les deux, on habite. Oui, oui, il est adorable. Ah oui. Adorable, et j'espère que ça va aller mieux. Voilà, donc je vais finir Mega Man X3 ici, et après, bon, on arrêtera le live. Hein. Oui, on va. Ça fera un bon petit live quand même. Ouais, ouais. Bon petit live let's play ici. Voilà, et demain je ferai mes. Je ferai puis ça me fatigue, hein, ouais. Faire retourner dans les niveaux, tout ça, ça crève. Bah oui, et puis Mega Man c'est pas un Final Fantasy. Ou... En plus, c'est le plus dur des Mega Man X quoi. Voilà, et puis là, Mega Man, un Final Fantasy, tu vois, à part les récents, c'est du tour par tour, voilà. Là, tu dois quand même être concentré, tout ça un peu quoi. Ouais, c'est sûr quoi. Dans Final Fantasy, c'est de la stratégie, tout ça quoi. Tu vas voir, le boss final, il est vraiment chaud hein, dans ce jeu, c'est hardcore. Hardcore gamer. Non mais vraiment, on dit que celui du X, il est vraiment hard, mais putain, ils n'ont jamais joué au X3. Hein. Ah, moi, je connaissais pas la différence entre les deux, donc... Moi aussi, c'est les boss, tu trouves juste l'arme et c'est bon, quoi, mais... Le boss final, mais what the fuck, mon gars. Il est vraiment horrible. Enfin, les Megaman ils sont horribles. Hein, ouais, mais surtout celui-ci, c'est vraiment. Même Vincent, il a pas le courage, quoi. C'est de dire. Ah oui, pourtant, ah oui donc, Dieu qui a du courage pour finir les jeux. Hein. Ah. Certains. Comme une fois, je pense qu'il. Je sais pas s'il avait fait un Thunder Force. Non, c'était pas un Thunder Force, c'était. Oh merde, il avait fait une vidéo avec Johnny McFly. Ouais, mais je crois qu'il a fait un Thunder Force aussi, Vince. Je crois que c'était le Thunder Force, justement. Je pense.
Si, si, je crois que tu m'avais montré que tu avais fait un tandem sport, je crois. Ouais. Ah, je pense que c'est le mais je crois, oui. Non, excusez-moi, je parle de nouveau fatigué, mais c'est on est tous un peu fatigués, puis parce que la semaine était très éprouvante. Moi, je aussi. Suis, c'est... Non, mais bizarrement, tu vois, bizarrement, bon, la semaine a été très fatigante pour beaucoup de personnes, hein. Ouais, surtout, il y a quelques jours, là, c'était... Tout le monde était fatigué, malheureusement. Oui, voilà. Et là, tu vois, et là, les je sais pas, c'est une semaine bizarre, aujourd'hui. Tout le monde est fatigué, tout ça. Oui. Et là, je trouve, même là, je pense, tout le monde est... Je trouve, je sais pas, vous, dans le chat, pas bien, Kevin. Mais tout le monde est escroque, tout le monde est fatigué, on a... Je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est peut-être le relâchement après les oui, cours, c'est... tout ça, les ouais, bon, voilà, non, c'est peut-être le mois de juillet qui arrive, tout ça. Ouais, c'est le début, c'est... Je sais pas. Je sais pas, ouais, c'est l'ambiance, c'est... L'ambiance... Tout le monde, les gens de cette histoire, c'est fatigué, tout ça, on est tous un peu fatigués. Effectivement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est... Pas le moral aussi, c'est... Tant bon, c'est les vacances, quoi. Tu devrais avoir le moral, mais... Bon. Je sais pas. Il y a quelque chose de bizarre dans l'air. Comme si tout le monde était déprimé. C'est sûr. Allez, comment je suis pas... Ah, bah, j'en ai toujours pas au boss final. Non, non, je suis pas encore au boss final. Allez. Souhaite-moi bon courage, parce que là, franchement... Mauvais courage. Tenir... Au moins, ça me permet de voir les boss que j'ai loupés tout à l'heure. Bah oui. Voilà, du coup. Là, je dois battre Rhinocorne de... un Pokémon. Non. Non, Rhinastot, là, plutôt. Sur Rhinoton, il a poil, enfin à patte. Enfin à patte. Quill. Encore lui, quand tu tenais son pattern, il est assez simple. Ouais, une fois que tu as l'arme aussi, surtout. Voilà, son attaque la plus difficile, son attaque la plus difficile, c'est quand il fait ses 3 pics là, et qu'il attaque après lui. Putain, c'est pas mal. Ouais, il en a combien en tout, de boss? Bah, 8. 8, 9, normalement. Non, 8. 8. Et là, t'en restes combien? Je sais plus. C'est pour ça que tu mets toujours une bombe, tu tapes toujours là-dessus, là. Non, c'est pas une bombe, c'est un réceptacle de vie. Ah, pardon, t'as rien dit, là. Lui, il est chiant. Enfin, quand tu connais la technique, voilà. Ça va, mais... Mais ça me manque des boss comme ça où tu dois connaître le pattern par cœur pour aller les battre. Oh oui, surtout le X3, que, c'est horrible. Voilà, maintenant, t'as beaucoup de jeux où il a plusieurs façons de vaincre un boss. Oula, putain. C'est sympa de plusieurs façons de vaincre un boss, mais après, derrière... Faire ce jeu en une traite à 100%, c'est fatigant. Ah la douceur, mais les Hades, hein, mais les Hades. Les Hades, je vous jure. Je vous jure. Non mais sérieux quoi. Ils viennent battre un tigre. Un tigre est une espèce menacée. Non mais sérieux quoi. What the fuck. What the fuck. Allez, on y est. On va au final? Non. Ah, t'as bien. Ah oh, bah moi tu me dis on y est. Je pense que c'est le dernier boss après. J'attaque Sigma. Qui est le plus horrible des Sigma de tous les Megaman, c'est... Non, tu vas voir ce que c'est, hein, ce boss, c'est... Ouais, ouais. Première phase, peut-être encore ça va, mais la seconde, c'est... Ah, c'est l'angoisse. C'est horrible, c'est horrible. Je pense jamais avoir eu affaire à un boss aussi horrible dans ma vie. C'est rare, pourtant, tu dis. Oh, oui. Si je devais faire un classement de jeux vidéo, des boss les plus difficiles des jeux vidéo, je le place facilement 5ème, hein, ce mec. Et qui le place en premier dans ce là? Surprise. Surprise. Ah, Fabien. C'est tout. Hell, hell, deux slandais. Mais ils ont pas marché, les deux slandais là, les choucroutes. Ouais, là. Oh putain de merde. Bon bah. Allez. On va aller affronter Sigma. Putain. C'était moi bon courage, hein, parce que putain de merde. Bon courage à toi. Merci, parce que là c'est... Tu vas faire fureur. Je risque de rager contre lui, mais un point pas possible. Tu vas faire fureur. Non, rigolez pas avec ça, parce que je vous jure, c'est vraiment un des seuls Megaman que j'aime pas qu'on me troll dessus sur le boss final. D'accord.
À ce point-là? Peut-être que la première forme de Sigma. Ça va encore, mais la seconde... C'est en plus qu'il est dur et très long. Mmh. Alors, si je... Déjà, s'il était dur encore, juste ça, ça va. Ouais. En plus, tu dois te retaper tout le combat, les formes à chaque fois, c'est... C'est un combat où je reste concentré, mais un maximum dessus. Quoi. C'est... Ah, et c'est pour ça que tu m'avais dit de faire la vidéo troll sur moi le samedi, vendredi soir au lieu pendant cette vidéo-là, parce que sinon... Oui, parce que là, c'est... Ce boss, vraiment, j'ai pas contrôle dessus, franchement. C'est un contre, non, hein, mais voilà. À mon avis, c'est pas que tu veux pas de contrôle dessus, c'est plutôt que tu veux rester concentré à 100%. Oh, oui. Je fais plus qu'avec le jeu quand je suis à dernière forme. Alors je te le dis. Je sais pas si t'as eu un boss comme ça. T'aimes bien rester concentré à fond, mais... Bah, tous les boss, moi, finalement. Et donc, je vais vous dire quelque chose, je vais rarement contre les boss finaux. Parce que c'est nul. Mais c'est surtout contre Wed et Steel. C'est une petite merde. C'est souvent le style Loubou, tout ça. Ouais, Loubou dans la bataille de la porte ou... Ou là-haut. En mode facile, tu te dis. J'avais un Dynasty sur PSP. C'était Dynasty Warrior volume 2. Ouais. D'ailleurs, tu pouvais recruter des officiers de Samurai Warrior, c'était bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et disons que Loubou, bah, il était horrible. Ouais. Et disent même en mode facile, n'allez pas le combattre Loubou. Et même, même dans Dynasty Warrior 3, il était horrible. Ah oui. Bah, chaque Dynasty, hein. Ouais, et on a toujours peur de le battre, et quand t'arrives à la bataille de Japi, tu dis, en fait, tu dois tuer Loubou, hein? Quoi? Mais il est impossible. Bah oui, on sait, mais tu dois le combattre quand même. Pourquoi faire? Ouais. Dans ce cas-là, il faut activer ton vrai Musou qui brûle l'ennemi. Et généralement, quand tu brûles l'ennemi, là, ça fait... Il y a en pas fait, de niveau, tu vois, parce que... Et disons que ça fera les mêmes dégâts à chaque fois. Et tu te dis, mais pourquoi Loubé s'est fait prendre? Pourquoi on doit aider Loubé? Voilà, j'ai vaincu. Là, t'as vaincu le professeur. Oui. Et là, c'est la merde totale. Après. Il n'est pas trop difficile, le prof, hein. Non, non. C'est ce qui vient après qui va être affreux. Ah. Vraiment affreux. Ah, tu le sens, le stress dans la voix, là. Parce que si je meurs, je dois me retraper. Le prof, Sigma première forme et Sigma deuxième forme. Ah bah, au moins tu te retapes pas les différents boss. Si j'ai un game over, je dois me retaper les Wii Boss, le professeur, Sigma première forme et Sigma... Putain. Ah oui, donc on va éviter... J'essaie de pas penser à ça. Oui, on va éviter d'avoir la game over. C'était mon bon courage, les gars, parce que là, je vais... Là, je vais avoir du mal. Moi, je te dis Delta Litat. Ah non, ça va, on change de stage. Ah, j'aurais pas à me retaper le prof, ça va. Ah. Je préfère ça, largement. Ça, ça me retire un gros truc du... putain, mais ils sont chiants. Putain, t'as des ennemis avant. Ouais, c'est un peu con de mettre des ennemis avant le boss. Bah, si tu dois te farmer pour retrouver de la vie, c'est bien, mais bon, après... Si tu nies toute ta vie... Faut savoir les esquiver. Oh, bon, là, je peux te dire, moi. Personne ne parle dans le chat, je suis triste. Bah, Fabien, il doit faire des combats, à mon avis. Et Kevin doit J'espère être... J'espère qu'il réussit les combats, d'ailleurs. Ouais, et Kevin, il doit regarder le match de foot. Après, Sasuke, il est pas là, il doit tirer un pote pour regarder le match de foot. Mais voilà. Après, Loulou est... Lou est parti se reposer et Termu est pas venu, mais voilà. Allez, on y est, putain de merde. Et pourquoi elle est partie de l'autre côté de ta copine? Vroom vroom. Ah, je l'ai pas entendu à vroom vroom. Ah oui, il est beau quand même, l'ennemi. Ouais, il est stylé comme ça. Mais tu vas voir sa seconde forme, c'est... Ouais, j'arrête pas de parler de ça, mais je vous jure, ça m'effraie. La seconde forme, t'effraie autant? Oui. La seconde forme, elle est impitoyable. Putain, c'est la première forme. Oh là 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 là, la première forme, déjà, c'est horrible. Mais comment tu peux pas te faire toucher? Mais oh là là là. Faut avoir des...
Effect Ninja, putain. Ah ouais. Il a pas cette merde partout. Vas-y, balance ton bouclier, tu vois. Mais attends. Il est horrible. Ça, c'est rien comparé à ça. Putain, j'ai plus de petite fille. Non mais attends, il enlève son bouclier uniquement quand il tire. Mais toi, tu dois... Oh là là. Ah oui. C'est pas drôle sinon. Ouais, j'ai presque tué. Voilà, deuxième forme. Là, j'étais en lumière. Je me concentre sur le jeu. Je suis obligé. Là, ça va être un cauchemar, cette deuxième forme. Non, moi, j'en sais pas encore là-dedans. Là, mais je te fais attention. Je me tiens. Alors, tu vois sa deuxième forme, tu vas apparaître. Ouais, il a un petit texte Attends. Ouais, on voit ses deux yeux d'abord. On a les deux yeux. Oh, ça y est, putain. Il est gigantesque. Allez, c'est parti. Bon courage à toi. Merci. Oh lolololol, oui, c'est une mal. Oh, putain. Ah oui! Et tu vois sa tête? Elle est au niveau de son ventre? Non, la petite tête là-dessus. C'est ce qui va toucher. Attends, la hitbox elle est toujours la petite tête? Oui. Ah oui! Je pensais pas que tu. Toi, c'est difficile, je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais putain, il a fait me tuer. T'es obligé de prendre des coups de toute façon dans son bas. Franchement, celui qui fait ce combat sans prendre de dégâts, bah putain, chapeau mon gars. Il doit... Et encore, est-ce que c'est possible? En plus, tu vois, des fois, tu tires sur sa tête, mais ça... Il est tellement large que tu le touches même pas, quoi. Au final. Attends, ça va. Tu lui fais des dégâts quand tu le touches, tu fais pas mal de dégâts. Ouais. Mais il faut arriver à le toucher, quoi. C'est surtout ça le plus dur. Ah, et surtout qu'ils pouvaient arrêter d'envoyer ces petites bulles là à chaque fois. Ça plus les missiles à la tête chercheuse, c'est. Oui. Il est vraiment horrible ce boss. Comprenez pourquoi je dis que c'est un des boss les plus difficiles que j'ai dû affronter. Dans toute ma vie. Et que tu l'aimes pas. Oh non. Je le haïs. Mais simple, putain. Tu le haïs de ton corps? Allez, faut pas que je vide tous mes items parce que j'aurais plus rien pour me régénérer après. Bah, c'est sa dernière forme. Oui, c'est sa dernière forme, ça. Ah, t'es bien fait. Heureusement, parce que putain, t'imagines. Ah, alors t'as dit, j'aurais plus rien pour me régénérer après, je me disais, il va encore avoir une autre forme. Non, c'est ça sa dernière forme, mais il est horrible. Elle est Et après, t'as fini le jeu. Oui. Voilà, 3 semaines, 3. Bah, les 3 Mega Man X terminés. Et il y a combien de Megaman X? Il y en a 8 normalement, mais bon. Les derniers bons, c'est jusque XS. Voilà. Donc je suis rappelé avec 7 et X8. Quoi. Donc tu parles de 4, 5 et 6. Ouais. Que je ne verrai pas. Megaman numéroté. Ah, tu ne verras pas du tout, mais bon. Allez, c'est pas plus grave. Qu'un coup, plus qu'un coup. Oh oui. GG à toi, Adèle. Putain, oui. Attends, moi je suis encore à l'affrontement. Oh. Hein. Putain de merde. Là, je vais faire un petit déchet au cas où. Et sans mourir, Adèle. Oui. Mais une citation. Est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive de finir le Mega Man X3 sans mourir même contre le boss final? Ben, je suis mort une fois, mais bon. Ben, heureusement qu'on est dans un trou, quoi. Ouais, ben, ça compte pas. Ah oh, oui, putain. Félicitations à toi, Adèle. Merci. Dommage que Vince et Wayne n'étaient pas là. Mais bon. Non, c'est pas grave. Pardon, non, dire. Non, non. De quoi? Oh, j'ai oublié ça. De quoi? Attends. Non, fais pas crever là.
je joue avec la mort. Là. J'avais lâché la manette. Oui, 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 remets-toi. Putain. Attends, j'ai dû faire un shot, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ah je comprends. T'as vu comme je joue dans la lave là, avec la mort? Ah oui. Et là tu... La lave, tu te penches au cul. Putain, il m'a fait peur. Ça c'est bâtard ça par contre. Ouais, tu crois que tu bats le boss final tout ça, mais d'un coup, paf, allez. Oh les fils de pute, excusez-moi de dire ça, mais... Moi j'ai eu un bon cœur là. Parce que, hé, si je mourais, je devais tout me retaper, hein. Ouais, alors ça m'en évite quand même, hein. Ça c'est vraiment bâtard ce truc là. Ok Fabien. Quoi Fabien? Ok Fabien. Il y aura. On me dit même pas GG dans le chat quoi. Oh, je moi, laisse il le dit dans ta tête, dans leur tête. Vraiment, franchement, GG c'est. Eh oui, ce bâtard de boss quand même si. Oui. Avec? Mmh. Ah, tu te remets tes émotions, c'est ça? Ouais, ouais. Non, mais je te jure, j'étais tout content de tout ça et d'un coup, waouh! Le lave. La lave est notre ennemi mortel. Ouais, putain. Avant mon départ, il faut que j'appelle un ami à moi. Peut-être que Megaman X4, on peut encore le faire la semaine prochaine. Oui, c'est de quoi? Moi, je serais pas là, peut-être. PS1 lui, ouais. Et moi je serai pas là. Par fait, c'est le dimanche. Je ferai jusque X6. Ouais. X7 et X8, déjà j'aurai du mal parce que mes disques PS2 sont un peu rayés, malheureusement. J'ai dû les acheter d'occasion, mais bon. Voilà. Je regrette au moins pas. Ça t'évite... Je regrette moi, pas qu'elle ne marche plus, franchement. Et au moins ça t'évite de payer le prix fort, surtout. Ouais, en plus. Il ne méritait même pas que je paye le prix fort pour des jeux pareils. Ah, l'ending. Putain, ça fait du bien. Oh, oui. Bah voilà. Tous les opus X sur Super NES sont désormais terminés. Voilà. Voilà. Tous les trois à 100%. Voilà, et sans mourir. Oh, c'est si. Par contre, pour X2, pour récupérer un quart de cœur, t'étais obligé de mourir. Mais ça, c'est normal. C'était là où j'étais pas là, donc tu pouvais mourir tranquillement sans te troll. Mais voilà, c'est fini pour X. Félicitations à toi, Adèle. Pour Super NES. Eh ben putain, ça fait du bien. Alors, je fais le journaliste. Alors, monsieur Ultima Weapon, je suis pas trop gentil. Je t'envoie le micro. Hein? 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 Alors, un grand merci à ceux qui nous ont soutenus déjà. Oui, je vois ça. Kevin, Loulou, Thermi. Ouais, Adèle, oui, tu t'es sauté toi-même. Je moi-même, oui. Elincia, Itachi, tout le monde. Benzu. Ouais, Benzuda, dos sous moi. Ah là là là, il n'en revient pas le. Oui, il a du mal à revenir. Il a du mal à revenir, il lui merde, mais. Il lui merde, Adèle. Il veut pas tuer l'image en tout cas, hein. Il veut pas tuer le l'endy. Voilà. Voilà. J'ai profité de l'ending hein, quand même. Voilà. Enfin, faut le dire. Voilà. Attends, Tiro. Des familles. Tout ça, graphiquement, il est beau. Même l'endy, il est beau. Ouais, ouais, magnifique. Avec 0 et X. Enfin, Rockman. Megaman. Qui court. Cours, Forest, cours! Non, j'en ai pour ta vie, non! 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 Non pardon. Je suis fou, non? Ah ouais. Ah, c'est que fou. Ah ouais, c'est à l'époque Super NES, c'est comme l'ending de Super Castlevania 4. Quand ils te mettaient les crédits, ils te faisaient des pseudos pour les programmeurs pour pas qu'on les reconnaisse, quoi. Ah, c'est sympa, moi, je trouve. Genjibo, Suri, Kane. Ouais. Tu peux garder les noms, hein.
Ouais, mais c'est sympa. C'est un peu dans l'univers de Megaman qu'ils ont un peu custom les noms. Rex, c'est quand même. C'est dommage que ça soit plus fait comme ça maintenant. Ouais, ouais, c'est cool, hein. Ça rajoutait un peu au 2, moi je trouve. C'est vrai, c'est le trailer, ça fait partie de du jeu, hein. Mm-hmm. Bah oui. Maintenant, on dit ouais, il nous faut des crédits, on veut pas voir le nom des gens. Bah ouais, bah bon, on s'en fout, nous. Ça montre les développeurs et de l'humour. Ah, mais totalement, totalement. Après, c'est dommage, ça soit toujours le même paysage en fond, mais bon. Mm-hmm. C'est vrai, tu tournes en rond, là. C'est une belle ville. Ouais, mais bon, c'est. Là, il te met le pouvoir et la vitesse du boss. Là. Ah, c'est sympa ça. Et le point, c'est ta. Je coupe le jeu. Voilà. Ah, ça fait du bien. Oui, tu m'étonnes. Finir ce jeu là. 100% en une soirée. Ouais, en plus, quoi, t'as commencé à 19h30, il est 21h54. Ouais, quand même, on a passé de bonnes heures. Ouais, voilà. Bah, ce sera coupé en deux parties, comme ça, bah, limite c'est bien parce que ceux qui doivent revoir la rediff, comme ça, c'est. Ouais. Ils voient pas deux heures d'un coup, là, comme ça, c'est. Ah, ça doit être un bon système. Ouais, c'est mieux. Ouais, vite que je m'achète ce nouveau casque parce que, en tant que d'un côté, c'est chiant. Voilà, mais bon, je peux pas faire autrement en attendant. Voilà. Bon, ben. Bah, merci à ceux qui ont suivi ces lives. Sur l'épopée des Megaman X, le marathon. Merci à ceux qui sont venus pour me soutenir. Voilà. Donc de gros bisous et à la semaine prochaine pour Megaman X4 sûrement. Bisous. Allez, bisous.